belle poursuivre vraiment pour assez vite à cause de mon amène ça. Le thème, c'est la gloire de Dieu. Qui était la gloire de Dieu? Les juifs appellent ça le Shekinah Glory. Ça, la gloire-là, frères et sœurs, il fait nous trembler, ça. Non pas un tremble qui nous a envie de trembler, mais sa présence la même. Il est tellement fort. Ou capable tous ces gros défis courant électrique ou pas gagner dans rien. Bon Dieu, bizarre, comment dire, contenir, réduire sa puissance quand il vient dans nous, frères et sœurs, sinon exploser. Amen. Il est infiniment plus puissant que le soleil. Nous pas capables. C'est manifesté dans toute sa gloire. Donc, c'était quoi le Shekinah Glory, frères et sœurs? Parfois, nous chanter, nous dire, quitte la gloire, dit Dessan. Dessan ou manifesté, let your glory fall. Qui veut dire ça, frères et sœurs? Nous chanter la gloire de Dieu. Qui était ça? Nous vous regardons. Une image, la tente d'assignation ou le tabernacle, tient à la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui est représentée le soir par Diffé, dans la tente-là. La gloire, bon Dieu, qui nous peut expliquer qui était ça. Et après, pendant le jour, vous vous trouvez, voilà, ça c'est toujours le soir. Et le jour, c'était une colonne de nuages. Le soir, une colonne de feu. Et quand là, Banat Sibizin bousait sa, la gloire-là, sa nuage-là, ou sa colonne de feu-là, les tient enlevés. Vous êtes connus maintenant, vous avez besoin de déplacer, vous avez besoin de continuer votre chemin. Donc, sa Shekinah Glory-là, frères et sœurs, Noé Nali, et l'est-il même continué, l'est-il descendre jusqu'à dans le lieu très saint, suivant. Ça n'y a jamais bien. C'est dans le lieu très saint, on va rentrer dans les détails aussi. Hein. Ça l'attente là, c'est dans le lieu saint, séparé d'un grand rideau, épais, de 4 pouces au moins, l'est-il 40 pieds d'osier, 20 pieds hauteur, à peu près. Et à l'intérieur, c'est là l'arche de l'Alliance. Je trouve qu'il y a deux anges, j'appelle ça ces deux chérubins. T'as l'air pour lire. Les chérubins, je côte la gloire de Dieu, vous êtes, je t'allais. En d'autres mots, je suis porteur. Comment dire, la gloire de Dieu, tu déplaçais l'autre les ailes. L'ozot. Et ça, c'est dans le lieu très saint, Kotsena, l'arche de l'Alliance. Et le souverain sacrificateur, le chef de tous les prêtres, de tous les sacrificateurs, une fois par an, dépourvant tabac, à cause du sang, qui est pour répandre l'eau, ça, appelle ça propitiatoire, il représente le trône de Dieu. Et je trouve les ailes à deux chérubins là. Là, c'est la présence intense de Dieu, tellement fort, que si le souverain sacrificateur il rentre là-bas et n'a péché dans ce déquiel, il n'a pas sanctifié, il n'a pas consacré, il est tombé mort. Dieu merci, dans l'histoire, pas fini, il n'y a aucun qui finit de tomber mort. Donc, frère, ça, c'est quoi ça, la gloire, là, le Shekinah Glory, c'est quoi? Les vignes du mot, un mot grec. Je ne sais pas trop ça, un mot là, dans la Bible, mais c'est les vignes d'un mot grec qui va un rabbi, hein, va un maître juif, quand vous êtes enseigné,
le service amoureux, il vient d'un mot grec qui appelle shokin, et shekina veut dire, eh bien, the dwelling or settling of the divine presence. C'est-à-dire que bon Dieu, il vient. Ça, bon Dieu, il settled. God settles down, dwelling. Et ce mot-là, il est pour venir, quand on dit Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui n'habite parmi son peuple. Amen. Donc, si nous devons définir rapidement, il est un petit peu difficile pour définir. C'est la présence même de Dieu, frère. La présence même de Dieu. Et ça mot là, j'en manque pas d'hier, je manque pas cause au lit. Mais quand moi, là, moi, personne ne peut coster avec les rien de l'autre. Vous avez compris moi? Nous ensemble, mais nous ensemble. Mais comme on vit, qu'on lit libre là. La gloire de Dieu, Dieu est dans le ciel, Dieu est dans l'univers, Dieu est présent au milieu de nous. Mais quand on dit à sa Shekinah glory, il est là, il est là, il est là. Amen. Ce Dieu qui crée sa lumière, frères et sœurs, qui crée des soleils par milliards. Puissance qui n'a pas un soleil. As a tout ça va man soleil, c'est toi qui n'as pas la lumière là. Manifester sa gloire là. Amen. Manifester. Il parlait quelqu'un qui existe dans nos cases, qui existe dans le salon avec nous, mais il est en communion avec nous. Amen. C'est une présence envahissante. Comme un cyclone. Un cyclone. Amen. Et cette puissance est infinie, frères et sœurs. Au point que quand sa gloire là, tu descends, eh bien, comme un attirant de tabernacle, la gloire là, tu descends, tu n'as pas qu'à rester, tu divises un saut aussi, allez. De même, quand tu bâtis le temple de Salomon, tu donnes au Golgotha. Parce que sa présence là, est tellement faux. Tu n'as pas qu'à rester, c'est à cause du péché. Mais dans l'église, frères et sœurs, quand la gloire là, quand la parole là, parce qu'ils disent sans Jésus, couvrez-nous et pardonne-nous. Amen. Disant Jésus, couvrez-nous, frères et sœurs. Et bon Dieu, on vient manifester sa gloire là. Et dans cette totalité, c'est bien des comme des vents violents. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, c'est comme cela. Dans cette totalité, il est toujours les mêmes impacts. Derrière, frères et sœurs, et ce matin. Ce matin, frères et sœurs, il y a quelque chose qui peut passer, qui peut passer encore, parce que c'est la gloire. Amen. Dieu, frères et sœurs, il est la gloire, il est là, mais il est manifesté. Et le Seigneur n'est pas content de lui. Eh bien,
Sinon, on parle. Parce qu'il connaît qui quand sa présence de Dieu lui-même là, les papiers. Amen. Les diplés, frères et sœurs, Dieu fait manifester sur la gloire jusqu'à Pharaon même sacouille la tête. Amen. Sinaï, montagne Sinaï, en feu, tremblé, frères et sœurs. La gloire de Dieu descend. Colonne de feu la nuit, de nuit et le jour, comment nous trouver. Ceux de tabernacle, le jour d'un, frères et sœurs, un grand, la rivière, hein. L'osée ici jusqu'à Côte-Simé, capable de l'os qui ça. Grand, la rivière peut descendre quand les sacrificateurs posent les pieds dès l'eau réquilée. Amen. Des côtés, faire montagne dès l'eau. On trouve une pousse, une montagne pousse dès l'eau. Refouler des côtés, miraille dès l'eau. La gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, frères et sœurs. La manne tombée pendant 40 ans, frères et sœurs, alléluia. 40 ans, la manne tombée, manger tombée depuis dans les ciels. 40 ans, tous les eaux n'a pas manqué. Amen. Alléluia. Alléluia. Le sixième jour, tu tombes des fois double. Pour le septième jour, c'est le jour du Seigneur. Amen. Pour bon Dieu, ça. Alléluia. Nous venons, frères et sœurs, des l'eau qui sortit dans rose, un rose dans le désert. Combien de l'eau est capable de tenir là-dedans? Encore une goutte. Pas capable. Un peuple, plus d'un million de monde, boit depuis ça de l'eau-là. Amen. La gloire de Dieu, frères et sœurs. Présence, bon Dieu. Des choses extraordinaires. Le temple de Salomon, la gloire de Dieu s'y descend. Et il y remplit le temple au point qu'il y a un sacrificateur, pas capable de rester, frères et sœurs. Des choses extraordinaires. Quand la gloire de Dieu est là, frères et sœurs, il y a des choses extraordinaires qui passent. Amen. Vous dites, mon frère, ça c'est dans le désert, dans le Saint-Testament. Dieu a envie de faire les choses qu'il devine faire dans le passé. Il est pour refaire lui, frères et sœurs. Et lui peut faire lui. Amen. Nous avons soif de ces choses. Jésus, frères et sœurs, quand il est venu, Jésus, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Jésus, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire qui nous peut dire là. L'invine une personne. Amen. La gloire de Dieu, frères et sœurs. T'as l'air de me dire qui était ça, la gloire de Dieu là. Une personne. Jésus fait une vine une personne. Nous allons lire, frères et sœurs, nous allons lire ça. Ézéchiel 1, 22 à 28. Alléluia. Alléluia. Ora pakandara bahai. Wende kerebedeshi. Alléluia. Regarde bien ce passage-là. C'est un des passages dans la Bible qui décrit la gloire de Dieu d'une manière plus près. Vous êtes capable de signaler la case avant et après. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme du ciel. Ézéchiel qui gagne la vision du ciel. Et le ciel, comment dire, cristal, resplendissant, qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes, chérubins, ça. Les ailes étaient droites, l'une contre l'autre, comme on trouvait dans l'Arche de l'Alliance, les ailes zouennes. Et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps,
découvert zot l'écho, découvert zot même. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux. Zot les ailes, comment dire, tapas une cascade d'eau. Ou la voix, ou bien ressemblait la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, un tapas, un bruit très très fort, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtent, ils laissent tomber leurs ailes. Et ils faisaient un bruit qui partait du ciel, étendu sur leurs têtes lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Donc les paroles des chérubins là. Maintenant écoute bien. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, les ciels qui là-haut la tête, ça va un chérubin là, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Quelque chose qui ressemblait à une pierre de saphir en forme de trône. Trône là, il y a une forme de saphir, de pierre de saphir. Et sur cette forme de trône, il y a une forme de trône, apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Donc il y trouve un homme, une figure d'homme qui est dans sa trône là. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel, écoute bien, montre comment l'airain poli reste un métal, comme du feu, il montre comment diffé. Au-dedans sa diffé là, au-dedans de sa l'airain poli là, au-dedans duquel était cet homme. Amen. Donc il y a un diffé, il y a comme un métal poli. En dans la dent, il trouve cet homme dont il parlait qui est sur le trône et qui rayonnait tout autour. Amen. Et il y a la lumière tout autour. Il dit diffé, il dit la lumière rayonnant depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Donc, il trouve un homme dans sa divina en dans autour de lui. Voilà, frères et sœurs, c'est la gloire qu'il a trouvée là. Suivant. Regarde qui le posait, non. La gloire de Dieu, eh bien, frères et sœurs, chapitre 3, verset 2, nous avons ce lit. Et les dit, non, c'est la gloire là, eh bien, à un certain moment, il trouve lui dans la vallée. Mais il descend dans la terre. Amen. Il descend dans la terre. À un certain moment, il quitte les ailes, ça va un chérubin là. Il est déplacé. Après, il revient dans les ailes, ça va un chérubin là. La gloire de Dieu. Ézéchiel 10, 4 à 18, nous capables d'y aller. Ça, la gloire là, l'y environné avec sa man chérubin. Man chérubin, c'est man ange de feu, diffé, diffé, diffé. Amen. Diffé. C'est une forme diffé. Et la diffé, quand vous dites diffé, hein, quand vous pouvez lire Ézéchiel. Et la man diffé, comment dire, tonnerre, puissante. Alors, soyez sûrs. Ça, la gloire de Dieu. Ça veut dire, Ézéchiel dit, on trouve, eh bien, comme un trône, il dit, comme un trône, un homme, et la lumière, comme un diffé, éclatante, eh bien, qui est autour de lui. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins. Vous voyez, les quittes dans les chérubins, et les dirige-t-il vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée. Voilà la nuée encore.
la nuée, il y a un nuage. Cette nuée, frères et sœurs, eh bien, écoute bien l'Église, écoute bien, écoutez, pas cause de camarades. Cette nuée, cette gloire, frères et sœurs, bon Dieu, il permet qu'il nous trouve lui parfois. Amen. Parfois, bon Dieu, permet. Un jour, un de nous dans l'église, dans la région, moi aussi dans une réunion, on me trouve comme une petite chose, comme un fog, on dirait, et brouillard, hein, comme un brouillard. Des fois, il y a une épée, comme un nuage, nous nous trouvons là. Et là, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Des fois, il y a la même présence, il y a une vision qui vient. Et dans la gloire de Dieu. Et ces choses, frères et sœurs, Dieu a envie qu'il nous trouve lui. Amen. Dieu a envie qu'il nous expérimente lui, frères et sœurs. Et ces choses, il peut arriver nous et nous besoin croire là-dedans. Amen. La maison fut remplie de la nuée et parmi et le parvis fut rempli de la splendeur. De la splendeur de la gloire de Dieu. Donc il y a une splendeur, il y a la lumière extraordinaire. Alléluia. Le verset 18 à 19. Oui, je continue. Quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait et il se levait, elle s'élevait avec eux quand l'esprit des animaux était en eux. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Donc, les quittes chérubins, les dînes dans la maison, les quittes la maison, les réels sur les chérubins. Eh bien, frères et sœurs, la gloire de Dieu. Sur les chérubins, pareil comme un chef d'État quand il est venu, il va venir tout seul, oui, pas vrai. Il est venu, il y a un avion tout seul pour lui, oui, pas vrai. Il est venu, il y en a des fois, quand il est venu, il y a ce, eh bien, parade leur tarmac de plaisance, oui, pas vrai. Hein. Soldat, eh bien, la gloire, oui, pas vrai, la gloire. C'est la gloire, frères et sœurs, la gloire. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16, il est déjà là, il dit, Jésus qui seul possède l'immortalité, il veut dire, Dieu n'est pas mort. Nous, quand il donne nous la vie éternelle, il donne nous son immortalité. Amen. Vous avez compris? Il est immortel, il peine au commencement, il peine à la fin. La vie éternelle, lui donne-nous ça, lui est nous immortel. Amen. Pour l'éternité, frères et sœurs, pour avec lui. Qui habite, voilà, il habite une lumière, qu'est-ce que je veux dire? Inaccessible. Cette lumière que, eh bien, Ézéchiel parlait. Elle la lumière inaccessible, vous pas capable de rentrer là-dedans. Amen. Ou pas capable de rentrer là-dedans. C'est pourquoi Lydia me trouve comme un homme dans la lumière-là, dans sa diffé-là. Ça, la lumière-là, sa diffé-là, inaccessible, pas capable de rentrer là-dedans. Amen. C'est pourquoi Dieu te dit avec Moïse, c'est pas possible un homme trouve moi et reste vivant. Moïse te dit, Dieu, montre-moi toute la gloire, c'est-à-dire ta face. Et Dieu dit, pas possible, il ne trouve pas derrière. Que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Amen. Nous pas capables de trouver le Seigneur et ses sœurs à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et là, Jean, qui parle nous dans l'Apocalypse, les vins trouve le Seigneur. Le Seigneur fait une permette, il trouve lui. Eh bien, il dit, sa face comme le soleil, mais il n'est pas trouve face, il n'est pas capable d'écrire. Vous comprenez, frères et sœurs? Amen. Donc, le Seigneur fait une permette qui, j'en trouve, trouve lui dans la gloire, dans une certaine. Et il y a aussi le fait, frères et sœurs, qui, eh bien, la cause, disant Jésus, une verset, péché qui t'empêche, du monde trouve la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes capables de trouver, mais quand même, l'idée la lumière inaccessible. Permettez-nous de trouver cette lumière. Mais jusqu'à l'heure, eh bien, bon Dieu, pas de permettre. Un jour, dans la gloire, nous vous trouverons comme on l'était. Amen. Ça aussi, frères et sœurs, qui point, bon Dieu, pour laisser nous trouver cela gloire tellement puissante, nous pas connaît. Hein? Attention qu'il nous explose.
Ça, c'est la gloire de Dieu, frères et sœurs, la gloire de Dieu. Jésus, quand vient, Jésus, c'est la gloire de Dieu personnifié. Amen. Jésus dit, je suis sorti du Père. Amen. Mon sortie du Père. La parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Amen. La gloire de Dieu. La parole, la gloire de Dieu fin vini. Et Jean dit, nous fin contempler, nous trouver, nous admirer, nous fin jouir nous de ça la gloire là. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et à la fin, ça c'est le commencement, premier chapitre, dernier chapitre, Jean peut dire, Jésus il fait tellement de miracles sur la terre. S'il nous peut écrire, les diamants pas penser qu'il est monde même capable de contenir un livre, ça à l'époque là, parce qu'il y a un computer, parce qu'il y a tout ça. Eh bien, tellement Jésus fait un miracle extraordinaire. Amen. Sur la montagne de transfiguration, frères et sœurs. Eh bien, la Bible dit nous comme ça, les fins transfigurées, se figurent, eh bien, comment le soleil. Amen. Ce vêtement blanc, eh bien, resplendissant. De temps à autre, le Seigneur fin manifester, fin permettre qu'il se manifeste, trouve ça la gloire là. Amen. Jésus, c'est la gloire de Dieu qui fait manifester. Maintenant, le jour de la Pentecôte, frère, nous ne parlons pas en un tabernacle, en un dans le temple de Salomon, on n'a pas été capable de rentrer. Fini, prépare tout, la gloire de Dieu fin descendre, vous n'êtes pas capable de rester, vous avez besoin de fuir. Dans le jour de la Pentecôte, frère et soeur, le jour de la Pentecôte, les 120 étaient là. Tout à coup, fin vine du ciel, fin descend quelque chose, fin descend du ciel. Un bruit, ils ont fin tonne quelque chose, un bruit. Mais ce n'était pas quelque chose, c'était quelqu'un, le Saint-Esprit. Qu'ils entendaient? Un bruit, fin descend du ciel, vin du ciel, qui te la gloire. Les fins descendent du ciel, ils entendent un bruit d'un vent violent, impétueux, et qui les fait aller remplir toute la maison. Dans l'Ancien Testament, tabernacle, le temple, la gloire qui remplit le temple. Ici, il y a un temple, vous êtes dans la chambre haute, fin remplit la maison. Et là, pas fini, monte un temple. Bon Dieu peut dire comme ça, mon papa habite un temple qui fait avec la maison. Amen. Amen. Mon papa habite un temple qui fait avec la main des hommes. Et la Bible peut dire à nous, frères et sœurs, qui nous l'écho, c'est ce temple. Amen. Amen. Ça la gloire là, frères et sœurs, quand fin descend le jour de la Pentecôte, fin remplit la maison.
Mais après ça, il dit à nous, les 120 se finent remplis. Amen. Dans notre corps se finent remplis. Dans notre âme se finent remplis. Dans notre esprit se finent remplis. Amen. Mais qui fait ce qu'il n'a pas rempli? Qui fait ça des âmes? La cause du sang Jésus, fin des saints. Amen. Et maintenant, la cause du sang Jésus, frères et sœurs, et même la gloire, l'eau, celui qui croit dans le sang Jésus. Amen. Frères et sœurs, et même la gloire, l'eau, je vous dis. Amen. Et même la gloire, l'eau, chacun de nous, frères et sœurs. Et nous nous reconnaître que la gloire de Dieu, il repose dans nous. Amen. Amen. La gloire de Dieu, frères et sœurs, il est donc sur l'Église. La Bible peut dire comme cela, le Père fin ressuscite Jésus par la gloire. Amen. Amen. Il dit la gloire du Père fin ressuscite Jésus. Comprends bien, frères et sœurs. Jésus dans le tombeau et Jésus, frères et sœurs, eh bien, Satan et tout ce monde démon, je peux réjouir à eux que Jésus fin mort. Et je pourrais faire tout pour que Jésus n'a pas sorti dans le séjour des morts. Mais la Bible dit à nos frères et sœurs, la gloire du Père fin rentre dans sa tombe là, fin ressuscite Jésus. Amen. Je veux dire, la gloire du Père, c'est Jésus. Là, la gloire du Père, il ressuscite Jésus. Là, la Bible dit comme ça, si celui qui vient ressuscite Jésus dans tes morts, il dit nous, le Saint-Esprit vient ressuscite Jésus dans tes morts. Amen. Donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit vient ressuscite Jésus dans tes morts. Jésus est la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Écoutez bien. Le Saint-Esprit lui rend Jésus vivant dans nous la vie. Amen. Amen. Dieu est un seul. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est un seul. La Bible dit à ça. Celui qui ressuscite Jésus dans les morts, s'il y habite en nous, il pour rendre nous les corps mortels, il pour mettre la vie là-dedans. Amen. C'est-à-dire, frères et sœurs, la gloire du Père vient ressusciter Jésus, c'est la gloire du Père là, il en nous. Et puisqu'il est en nous, ce matin, nous devons reconnaître qu'il est la gloire qui dans nous. Vous comprenez ça? C'est la gloire de Dieu là, lui en nous, à cause du sang Jésus fin versé. La gloire de Dieu, frères et sœurs, lui sur nous. Et quand je suis rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, écoute bien, c'est pas l'extérieur seulement là-bas. La gloire qui remplit tabernacle, qui remplit le temple, ici qui remplit la maison, mais pas ici la maison. La gloire qui remplit d'autres personnes. Amen. La gloire de Dieu, frères et sœurs, lui remplit notre être. Et quand la gloire de Dieu remplit notre être, frères et sœurs, c'est pourquoi, quand Jésus ressuscité, les aller. Qui est arrivé, frères et sœurs? Les miracles et les prodiges, les continuer. Amen. Paul et les apôtres, Pierre passé, Banatimède ben malade, au moins si ce l'ombrasse passé capable de passer haine malade, et certainement les guéris. La gloire de Dieu, Philippe,
descendit à Samarie des miracles et des prodiges. L'apôtre Paul, frère et soeur, la Bible dit nous, bon Dieu, fait faire un miracle tellement extraordinaire qui, eh bien, banat, il peut prendre jusqu'à ce moussoir, il peut prendre l'ins, tout ce décor, et bien, tout ça, il guérit. C'est la gloire de Dieu passe jusqu'à le moussoir tout. Amen. La gloire de Dieu, frère et soeur, la gloire de Dieu. Amen. La présence de Dieu, frère et soeur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il y a une seule. Amen. Et ça, la gloire-là, frère et soeur, il l'a. Jésus dit là, que deux ou trois rassemblés en mon nom, voilà. Amen. Il a dans tout cela gloire. Écoute bien, frère et soeur. Tabernacle, c'est la colonne de feu, colonne de nuée. La gloire de Dieu, il est là, dans l'invisible. Bon Dieu capable d'ouvrir nos lisiers pour nous trouver. Nous trouver, nous pas trouver, il est là. Amen, vous devez comprendre? Nous trouver, nous pas trouver, il est là. Mais il y a une petite chose qui nous vient faire, frères et sœurs. La Bible dit nous, Étienne, quand il était prêche avec le Saint-Édrin, ce visage qui paraît comme un ange. Amen. Malgré ça, vous l'avez dit. Amour. Quand il est mort, la Bible dit nous, il lève les yeux, il regarde là-haut. Il trouve Jésus. Il trouve, frère et soeur, la Bible dit nous, il trouve la gloire de Dieu. Il trouve, frère et soeur, la gloire de Dieu est Jésus debout. Jésus debout à la droite du Père. Jésus debout à la droite du Père. Voilà. Il trouve la gloire de Dieu et il trouve Jésus debout à la droite du Père. C'est-à-dire que la gloire-là, il continue. Amen. Il trouve Jésus debout et il trouve la gloire de Dieu, frères et sœurs. Maintenant, nous venons avec nous. Qu'est-ce qui empêche la manifestation de cette gloire? L'Église écoute bien. Ça, la gloire-là, tellement il s'est manifesté à un moment dans Actes des Apôtres, qui tient dans le péché, Ananias et Saphira, qui, ça, la gloire-là, frères et sœurs, fut même tué. Vous avez compris? Parce que Dieu ne toléra pas le péché. Le péché fait un obstacle à sa gloire-là. L'Église écoute bien. Dieu, pas où qui peut empêcher la gloire de Dieu manifestée dans cette Église. S'il y a des choses, un reward, on l'a vu regretter, arrêter ça. Amen. Demande Seigneur, pardon. Demande son aide. Eh bien, mais nous ne sommes pas pessimistes, frères et sœurs. Le péché est augmenté dans le monde. Il ne faut pas dans l'église comme ça, il ne faut pas diviner même dans l'église. Plus il augmente, plus Dieu vous déverse de l'esprit. Sachez qu'aujourd'hui, la gloire de Dieu, frère et soeur, est dans l'église, là ce matin. Amen. Et il y a quelque chose, bon Dieu, pour faire éclater la gloire encore, encore, encore dans cette réunion, frère et soeur. Eh bien, qui nous vient faire? Qui nous vient faire, frère et soeur, pour... Qui nous vient faire pour que cette gloire-là lui manifeste? Moi, je dis provoquer, écoute bien, nous sommes capables de provoquer cette gloire-là lui manifeste. Vous avez compris? Nous devons faire quelque chose. On met une télévision là. Et là, Père, je comprends l'Église? Qui nous vise à faire? Numéro 1, premièrement. Jean 14, 23, Jésus dit comme ça. Si quelqu'un lit, compte en moi. Si quelqu'un lit, compte en moi. Love, not believe, ne pas dire croire. Si lit, compte en moi. Il garde mon parole.
et mon Père pour content lui. Nous viendrons, mon Père et moi, nous pour venir à lui et nous pour faire une demeure chez lui. Nous demeure. C'est même qui nous dit Shekinah veut dire quoi, frères et sœurs? Li dwell. Amen. Li vient habiter. Li vient settle. Ça même qui Jésus dit. En anglais, il y a deux mots qui disent la maison. Un appelle house, un appelle home. House, on peut construire un mot house, le vide. Hein? Comment on dit ça? Guerre. Après, calm. Dès qu'il y a ça, tu es capable de venir à un house, mais tu peux venir à un home. Le problème avec l'Église aujourd'hui, avec beaucoup de chrétiens, Jésus et le Père finissent vin habite a house, but he doesn't feel at home. Vous comprenez l'Église? Un case vide, peine à personne. Ou mais Jésus là où qu'il est là où aller. Mais pour cela, gloire manifestée, frères et sœurs, il y a quelque chose qui vise à dans la case là. Amen. On ne peut pas prendre en détail à cause des temps. Donc, frères et sœurs, premièrement, qui le Seigneur demande? Nous, donc, nous, les besoins fil à home. Amen. Et il y a un chant qui dit, this is your house, your home. Après, we welcome you. Lord, we faut dire welcome dans sa home là, les là de faire quelque chose. Amen. Alors, frères et sœurs, suivant. Qui besoin, frères et sœurs, qui nous besoin, qui nous besoin? Alléluia. Qui c'est un facteur qui besoin d'exister, Lisa? Nous disons la sainteté. Nous besoin lire ça. 2 Chroniques 5, 11 à 14. Si ça va quitter chose là, il existait et il est là dans l'Église, la gloire de Dieu est pour manifester. Amen. S'il vous plaît, personne ne parle avant de finir aujourd'hui. Fais-le un principe qui ou pas quitte l'Église dans dimanche avant de finir. Parce qu'on a un rendez-vous avec le roi des rois. Amen. Beaucoup plus de sérieux, frères et sœurs, avec le Seigneur. Qui tient dans le temps, frères et sœurs? La Bible dit nous comme ça. Tous les sacrificateurs, verset 11. Tous les sacrificateurs s'étaient sanctifiés. Amen. Tous les sacrificateurs t'y sanctifiés, t'y purifiés pour te rendre dans le temple. Les sacrificateurs, les prêtres. La Bible dit nous tous ici, nous sacrificateurs. Amen. Nous tous, nous sacrificateurs. Nous tous, frères et sœurs. Purifiez-nous les cœurs. Quand je t'y rentre dans la tente, avant de rentrer dans le parvis, dans la cour, tiens-là la croix, tiens-là, eh bien, la pote qui représente Jésus, et puis tiens-là l'autel des sacrifices qui représente la croix de Jésus. L'Église, il faut se repentir tous les jours. Vous connaissez combien grand nous faire du monde tous les jours?
Connais combien de colère vous faites qui n'a pas besoin? Connais combien de jalousie il y a dans les cœurs? Connais combien de frustration il y a? Qui est dans le travail, qui est dans la case? Parfois même dans l'église. Besoin de tirer ça à la croix quand vous rentrez dans ce lieu céleste là. Amen. Écoute bien, frère et soeur, on me dit une chose là. Écoute bien. Nous chantons I enter the Holy of Holies. Oui, pas vrai. Écoute bien, frères et sœurs. Je vais vous dire un secret. Beaucoup de monde nous ont chanté, loué, adoré. Mais dans le lieu très saint, écoute bien. Ce n'est pas où qui rentrait. C'est lui qui laisse où rentrer. You are admitted to the Holy of Holies. You cannot enter by yourself. Vous en comprenez l'Église? Est-ce qu'ils en comprennent? Dans le bureau premier ministre, je ne peux pas ouvrir la porte rentrer. Si Lili appelle moi, les là vont rentrer. Écoute bien l'Église. Si elle a le péché, si elle a le mal ou pas l'équité, ou capable de chanter I enter the Holy of Holies, but you are not admitted in the Holy of Holies. Comprends l'Église? Si bon Dieu t'y laisse ou rentrer ou tomber mort, la cause ça n'est pas laisse ou rentrer. Ok l'église, vous comprenez? Au moment où les sacrificateurs sortaient du lieu, quand tous les sacrificateurs présents finissent sanctifiés, sans observer l'ordre des classes, tous sacrificateurs, toute l'église, tout maman, tout papa, tous enfants, tous jeunes, tout personne âgée, besoin purifié passe par la croix tous les jours. Léala ou rend dans le lieu saint. Léala ou rend dans le lieu très saint. Amen. Tous les jours. Écoute bien. Ne fais pas la gloire de Dieu. La puissance de Dieu capable à manifester à la seconde. Ou capable à la seconde. Mais pour rentrer dans la présence et la gloire de Dieu, it's not a matter of seconds. At times it's a matter of hours or days. Est-ce que vous comprenez l'Église? Pour la gloire de Dieu manifestée, dans l'église, c'est n'a beaucoup de préparation et nous peut prier. Ce matin, il peut manifester parce que l'église a peut prier pendant des années, peut venir et il peut manifester. Amen. Mais écoute bien, frères et sœurs, vous capable rentre dans le lieu saint, mais on n'a pas rentre dans le lieu très saint. Lui laisse nous rentrer. Nous pas qu'à rentrer comme on a envie. Amen. Zot fin sanctifié, frères et sœurs. Zot fin sanctifié. Deuxièmement, qui finit, nous continuons à lire. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, ceux qui peuvent jouer la musique, ceux qui peuvent chanter ici et zot, écoute bien l'église. Écoute bien. La cause, moi, j'étais impontable. Écoute bien. Venez à l'heure. Quand je peux chanter s'unissant d'un accord. Vous savez, besoin d'un accord en zut, d'un accordité dans sa chant-là, dans sa louange-là. Frères et sœurs, si on ne vient pas capable dans sa accordité-là, vous pouvez comprendre l'Église, il y a des choses sérieuses. D'un même accord pour célébrer. Qu'est-ce que tu veux faire? Célébrer et louer l'Éternel. Ceux qui tiennent la trompette retentir ce trompette, les cymbales, etc., autres instruments. Car, et qu'ils ont chanté, il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui ont pu chanter? Qui ont pu faire? Zot l'attention, c'est dans sa bonté là. Amen. Que zot l'attention? Seigneur, moi, dans problème, Seigneur. Non. La gloire de Dieu n'est pas descendre là-dedans. Vous avez compris l'Église?
Quand la gloire de Dieu descend, ça lui pour prendre compte. Vous avez compris? Ou problème lui pour résoudre. Vous pouvez célébrer l'Éternel, le peuple, ceux qui peuvent chanter avec la cour, en accord avec les musiciens, la chorale et l'église qui chante. Est-ce qu'ils ont compris l'église? Quand la gloire de Dieu descend, frères et sœurs, Lazare ressuscité des morts, dès l'eau coulée, dès l'eau sortie d'en rousse. Finalement, il y a de grands miracles, de grands réveils, et en ce moment-ci, dans le monde entier, nous pouvons vivre une époque côté de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, des réveils extraordinaires, eh bien, des miracles, frères et sœurs, côté du monde, peut l'amener, peut pousser, elle l'amener sortie. Les pieds coupés, les pieds poussés avec ce les doigts tout. Quand la gloire de Dieu, oh l'église, écoute bien l'église de Saint-Pierre, nous les trouvons la gloire de Dieu. Nous avons une discipline. Pas qu'on nous envie de lever, mais là nous lever. Tous en accord, nous continuons. Léa qui est arrivée, attends, retournez. Léa dit à nous, car il est bon, et en ce moment, qu'il dit à vous avez trouvé? À ce moment-là. Voilà la condition essentielle. Besoin est la louange, besoin est la l'adoration, besoin est la l'unité du cœur. Église. Amen. Regrette-les où venir, frère. Regrette-les où aller, frère. Apporte-les, ou quand vient dans les mais ou les quais, là, t'y ensemble, s'unissant, frères et sœurs, nous peut servir un grand bon Dieu d'église. Amen. Les, à ce moment-là, tabernacle, quand tout tu finis prêt, tu finis mettre l'os, tu finis mettre, pain de proposition, tu finis mettre chandelier, tu finis mettre tout une prêt. À ce moment-là, la gloire de Dieu descend. Et dans le moment que nous les quais, nous avons préparé l'église. Et préparation, là, depuis la case venue, la gloire de Dieu est pour manifester. Amen. À ce moment-là, frères et sœurs. Donc, première condition qui est essentielle. Deuxième, frères et sœurs, nous avons l'unité, donc sainteté, l'unité. Troisièmement, nous avons tout type de célébrer, tout. L'Église me dit une chose, parents, prends vos enfants, viennent ensemble. Et il y a un problème quand ça vient de se lire. A pas de problème habillé là, mais pas les sous-enfants, moi, tout seul, vient de l'église. Et la tentation, le diable, il volait. Écoute bien, qui m'ont pédé à vous. Des fois, on trouve un vin devant, un vin derrière. Bizan qu'à sortir ensemble. Le même principe est appliqué dans Actes des Apôtres. Là-bas, qu'il vous dit, quand il ferme Pierre et Jean, les Nredalsot, eh bien, je dis, Père, pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Alléluia, alléluia. Et ces vaines pensées parmi les nations. Et là, il vous dit, vois leur menace, Seigneur. Et la Bible dit nous, tous ensemble, c'est capable de mettre l'île. Tous ensemble, fin élève la voix, fin vers bon Dieu, mettez-y, la cause est avant qu'il soit. Tous qui t'y rassemblés, eux fin élève la voix ensemble d'un commun accord. Amen. Et le lieu où ils étaient trembla. La gloire de Dieu, voyez, écoute bien l'Église, ça lieu-là capable de trembler. S'il n'est pas tremblé physiquement dans l'invisible, bien avant la puissance, la fortresse du diable, paix brisée et pour briser. Lorsqu'ils ont entendu là, ils élevèrent à Dieu la voix qui disait, lève la voix, bizen, lève la voix, louez, bizen, lève la voix, chantez. Ensemble, disait, Seigneur. Que votre attention était? Seigneur. Amen.
dans le temple de Salomon. Qu'est-ce que l'attention? Ta bonté, Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricorde. Mais Dieu, avant ça, là, dans la gloire, bon Dieu, il descend. Amen. Et quand on finit de faire ça, la Bible dit, quand on finit de prier, la terre finit de trembler. C'est un signe qui, dans le monde invisible, la puissance de Satan finit ébranlée. Amen, Église. Alléluia. L'accent est sur Dieu. Frères et sœurs, la gloire de Dieu est en nous. Nous pouvons être là. Qui nous besoin, mais dernier là? La foi. Jésus dit avec Marthe, écoute bien. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, sitôt, crois. Sitôt, crois. Sitôt croire, qui peut arriver? Souvent, nous ne servons à verser là, mais nous ne comprenons pas dans ce sens-là. Un monde quatre jours, une mot, l'odeur peut décomposer. La gloire de Dieu rentre dans sa tombe-là, l'élever, guérir. Amen. La gloire de Dieu, si tu crois, qu'est-ce qui peut arriver à l'Église? Et aujourd'hui, le Seigneur vit tout chacun de nous. Dans Ézéchiel, il dit, la main de Dieu tombe sur moi. La main de Dieu peut tomber sur toi. Amen. Sur la gloire peut tomber sur toi. L'Esprit m'enleva de la terre et m'a gagné des visions. Si tu peux sentir toi en porter des visions, l'Esprit de Dieu peut donner toi une vision. Amen. Tu es capable de sentir toi enlevé, eh bien, peut-être pas physiquement, mais tu es senti, bon Dieu, enlève-toi, amène-toi ailleurs, donne-toi des visions. La gloire du Dieu d'Israël était là. Amen. La gloire de Dieu est là. Quand je l'avais vu en vision dans la vallée, pareil comme on trouve là-bas. L'Esprit, qu'il dit, hein? Entra en moi. Écoute bien l'Église. Ce matin, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus, nous vient plus de sa présence. Il y a envie de rentrer dans une manière qui jamais vous fait expérimenter. Mais vous croyez, si tu crois. Amen. Crois-lui ce matin. L'Esprit de l'Éternel tomba sur moi. Amen. L'Esprit bon Dieu tombe sur toi, mon frère. Alléluia. De la gloire, il descend, il tombe sur moi. Tu es dans l'eau profonde, nous termine par là. Vision de l'eau. De devine jusqu'à cheville, genou, et puis de couvert. Il est besoin de naser. Quand nous nasons dans de l'eau, nous besoin de l'orgue, nous l'écoute dans de l'eau là. Sinon, où? Couler. Laisse où emporter. Yield yourself to the Lord. Surrender. Amen. Nous mettons-nous debout dans nos places. Nous demandons à la chorale de monter, nous pour chanter.